C'est bon. Oui, on est bon. On est bon. Bienvenue pour ce deuxième live. Et oui, qu'est-ce que j'ai dans les mains? Deuxième live de Donjon Craft, en fait, saison 13. Voilà, voilà. Comment dire? Alors, on se retrouve. On se retrouve sur Herobrine's Hearth. Alors, pour tous, pour résumer, j'ai... Qu'est-ce que j'ai fait depuis entre le dernier stream et aujourd'hui et maintenant en fait, puisque c'était ce matin, enfin c'était cet après-midi que j'ai stream, et là on est le soir, très tard. Je suis allé miner, et donc je suis allé miner grâce avec le Gem Finder, et je suis allé chercher à peu près 2 stacks de diamants, même plus, ouais, 2 stacks et 5 de diamants. Voilà, plus d'autres trucs que j'ai compactés, puisqu'il y en a un mode qui s'appelle Ultimate Compression. Et donc, voilà, bah, c'est compacté. Voilà. J'ai tout fait cuire, etc. J'ai tout rangé, j'ai mis dans des coffres, ici les blocs, ici le bazar. J'ai rien fait d'autre de spécial. Je me suis fait cuire à bouffer. Dans le backpack, ici, j'ai mis les affaires dont j'aurais besoin. Et l'idée étant aujourd'hui, enfin maintenant, d'aller miner de la désœurite. Voilà. C'est un petit stream de soirée, de nuit d'ailleurs, puisqu'il est 20, il est bientôt minuit. Je vais aller dans le nether et on va aller chercher de la désœurite. What it is. Pour info, j'en avais parlé la dernière fois. Et ben en fait, Herobrine a amené son altar ici. Donc en fait ici on lui dépose, il y a de ces bestioles, on lui dépose des loot un peu rares de Minecraft, à savoir on lui a des loot genre des Golden Apple qu'on peut trouver, des CD qu'on pourrait trouver, voilà, ce genre de choses, ça le calme et il vient moins longtemps. En minant il est venu me voir, mais pour l'instant il est calme tant qu'on le cherche pas. Donc on le cherche pas, ça va. Mais de toute façon, je vais pas aller le chercher. Alors j'ai déposé deux golden apple dessus. Voilà, j'étais en train de regarder ce bestiau là. Pas tout petit lui, hein. Un requin. Il est mignon. C'est là. Ah, il pleut. Oui, je suis dans un désert, donc il pleut pas ici, mais il pleut là-bas. Il y a une tarentule là-bas. Voilà, je crois qu'on va aller directement dans le nether direct. Et on va faire un petit stream minage. Il en faut. J'ai besoin de netherite pour plein de choses, pour plus tard. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Alors, la netherite, normalement, couche 9 à 21. Donc, je suis couche 69. Ah, mais non, mais vous barrez. Qu'est-ce que vous foutez là? Mais qu'est-ce que vous foutez là, vous? Ton con. Hop, hop, hop. Ah, une mouche. Casse-toi la mouche. Ça commence. Ah ouais, d'accord, le golem, il dégomme tout le monde, lui, maintenant. Bon, par où on va? Par là, hein. On va essayer de miner à partir de là. On va essayer de descendre ici avec cette... du coup, j'aurais dû prendre plutôt... Je vais la prendre... Ça commence, mais foutez-moi la paix. Je m'en vais miner tranquille de la netherite. Non, mais... donc du coup les villageois se retrouvent ici, les golems se retrouvent ici, quoi. C'est la fête à neuneu, quoi. Bon, bref. Donc j'étais en train de chercher ma pelle. Mon excavator. J'ai récupéré des trucs, je ne sais pas quoi en faire. Allez hop. Donc couche 9. Ça c'est plutôt ça. Allez hop, on descend. On va récupérer le quartz hein, tant qu'on est là. J'ai dit couche 9. Non, couche entre 9 et 21, c'est ça? 9 et moins 21. On peut aller en négatif dans le nether? Je sais plus. Par contre, faut pas tomber dans la lave, quoi, parce que c'est ça le pire. Mais bon. Allez, on va chercher de la netherite. Ça, c'est de la... C'est de la... Ça, c'est... Ça, c'est... Voilà. Entre l'appel et le machin, je ne sais jamais. Oh putain.
Il me faut des blocs. Netherwart. Netherwart. Du coup, hop. Ouais, bon, en même temps, on peut peut-être aller peut-être par là, on va voir. On peut pas rattraper. Ou alors je descends. Le problème, c'est que le truc, il me fait ça, on va pas foutre en dessous, donc bon, je vais faire ça, je vais faire ça. On va aller voir si on peut pas aller tout droit. Si, ça doit rattraper. Ça doit rattraper. Voilà, juste en face, on va pouvoir aller, je pense. On va pouvoir y aller. Hey, salut The Animal 130. Ah ouais, toi, t'es un ancien. T'es un ancien. Ça fait longtemps que... Ça fait 7 mois que j'ai pas stream, mais... Le restream, il est là. Rigolo. J'espère que tu vas bien. Allez, hop. Donc, on est parti. On est parti. Je disais couche 9 à 20, moins 21. On est parti chercher de la netherite. Voilà, voilà, c'est parti. Du coup, je sais pas si sur le truc. Si. On a dû voir apparaître ton message, je pense. Tiens, ça, il m'en faut aussi. Tu mets un petit vein mine là-dessus. Descendons toujours, descendons. Oup, 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 ça commence. Donc là, il y a de la lave. Il y a de la lave, mais on va voir. Hein. Comme ça, si on peut l'esquiver. Brique du Nether. Ah putain, j'ai trouvé un donjon, une forteresse. On va peut-être se la faire un petit peu en attendant. En même temps, j'aurais pu descendre avec ça. Quoique, je suis pas sûr que ça soit un vrai donjon de standard de Minecraft, vu les trucs. C'est chiant à dégommer ce truc-là. Hop. On va quand même descendre. Mettre une petite torchounette pour dire qu'on vient d'ici quand même. Pour s'en rappeler. On va aller jeter un œil à ce machin-là. On est en quoi là? On est en améthyste. On va voir ce que ça donne. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Ok, il y a des portes automatiques. Ah, c'est chiant ces trucs là. Les verrues du Nether en bloc là. J'aimerais descendre. Je suis concentré. Oh là là. Oh là là. T'es qui toi? Ah, c'est un truc de donjon. Ce qu'il y a de bien avec eux, c'est qu'ils nous donnent pas mal de loot comme des bâtons de blaze. D'accord, ils se transforment, c'est des gardes. Ok, mais ils donnent des bâtons de blaze, c'est déjà ça. Ils sont pas très forts eux. Oh putain, à part lui, évidemment. Parce que on a le mode. Il est où? Je sais pas où il s'est barré, mais il s'est barré quelque part. Il y a un mode qui s'appelle je ne sais plus comment. Ok, là on peut descendre. On peut aussi aller par là. Peut-être ferme. Merci. Hop, ferme-toi. Voilà, merci. Bon bah je pense que on va descendre. Allez, on n'a pas peur, on descend. Oup. Oh, c'est qui celui-là? Qui c'est? C'est lui? Il est méchant? Il est méchant. Hein. Il a 60 de vie. Pour l'instant, il m'a pas capté. Si, il m'a capté. Va crever tout de suite. Je l'ai eu. Mangeons de la tortue. Ok. Qu'est-ce qu'il m'a looté? Je ne sais pas. D'ailleurs, on va jeter des trucs parce que sinon on s'en sortira jamais. Ça, on s'en fout.
Sac de sang, peut-être ça peut servir, on regardera plus tard ça aussi. Bloc, on s'en fout. La brique, je m'en fous. Ça, par contre, on en a besoin, on garde. Ça aussi, je peux en avoir be besoin plus tard. Hop, hop, hop. Brique du Nether, je m'en fous. Ok, donc, il y a des poches de lave. Il y a des spores. Ça doit être empoisonnant, ça, je pense. Prenons de la bouffe. Allez au pif. Oh, il y a un coffre. Hop. Y a des coffres. Prenons, prenons. Oups. Hop. Je récupère ça. Et je récupère ça. On n'est pas venu pour rien. On a des algues séchées. Non, on a surtout récupéré aussi 6 diamants et du tungstène. Le tungstène est sympa. Petite pause de 2 secondes que je réponde à un SMS. Je suis désolé. Tac. Tu. Voilà, j'ai bientôt fini. Voilà. Alors, me revoilà, désolé. Donc, bah, c'était pas mal ça. C'était pas mal. Par contre, comment on remonte là-haut? Nether Keeper Altar. À quoi là-dedans? Parce qu'on va pas le taper, on va pas le casser. Donc il y avait des coffres, c'était bien sympa. On va remonter, hein. Je sais pas trop ce qu'il faut faire là-dessus. Non, on va remonter, on va remonter, on va remonter. On va remonter par là, puisqu'on peut. Ça c'est le mode qui s'appelle, je sais plus comment il s'appelle. Par contre, pour remonter, il va me casser les couilles, non? Je pense. Il ouais, faut être sur le bloc d'après. Hop là. Ok. Donc après il y avait de la lave et tout ça. Nous on vient de je sais pas où, on vient d'en haut. J'avais mis une torche. J'avais mis une torche quelque part, on vient de là-haut. On va remonter. Et on va continuer à miner, chercher notre Netherite en mode posé. Salut Golika, salut, je passe un petit bonjour et je te souhaite une bonne soirée. Eh ben, c'est sympa, merci. Salut à toi. Ouais, je restream pour info un petit peu là cette semaine puisque je suis en congé. Donc certainement l'après-midi. J'avais commencé donc l'après-midi vers 15h. Voilà. Dans l'après-midi, puis le soir, souvent après 22h. Bon, voilà. Cette semaine surtout. Et c'est rediffusé sur ma chaîne YouTube, si besoin. Si jamais vous ne pouvez pas être là sur les lives. Voilà. Merci d'être passé, Golika et bah, The Animal 130. Merci à vous. Hop. Donc, je m'en vais chercher de la netherite. Pour sans me casser la figure en essayant donc de d'éviter évidemment la lave. Ce qui va pas être évident. Je me connais. Mais bon. Va me casser les couilles cette lave, je le sens. On va essayer de passer par là. Hop. Évidemment, je m'en doutais. M'en doutais. Qu'est-ce qu'on fait? D'après la map, il faudrait aller dans le coin par là. C'est bon, c'est bon. C'est bon, on brûle plus. Va pas le mettre. Il va pas la mettre. Je suis fatigué, là, je fais n'importe quoi. Voilà, c'est arrivé. Hein. Donc, on va aller par là. Je suis un peu moins rapide que cet après-midi. Roche noire. Ah, encore un truc. Il reste une vraie forteresse. Non, c'est encore un machin comme ça.
même temps, en soi, c'est intéressant si ça bloque la lave. Voilà. Ah, là, on peut descendre. On va aller jeter un œil, hein, vu qu'on est là. Les mobs sont pas très costauds. Ah, mais non, c'était les trucs par-dessus. Il y a quand même beaucoup de lave ici, hein. Je sais pas si je peux les boucher. De la bedrock ici. Je sais pas. J'essaye de cliquer un peu partout, mais ça veut pas. Va venir sur moi, je le sens. Ah ben voilà. Ça donne quoi ça? Brique rouge, il y a quelque chose en dessous ou comment ça se passe? Pas rien. Le void ou quoi là-dessous? Oulolo, mais ça m'a l'air trop bien profond, je me casse. Je me casse. Pourquoi il y a des ronds sur la map? On voit pas évidemment, mais il y a des ronds. Bref. Bon, je remonte. Trop dangereux par ici. C'est même parce que je lève ma tête aussi. Bon, j'étais descendu là. Je viens d'ici. Eh ben, on va continuer par là. Hein. On va bouffer un steak. Oh putain. Hop hop hop. Y'a trop de lave dans ce machin. En même temps, on va aller par là d'après la map. On va aller plutôt par là. C'est pareil. Hop, c'est pareil. De passer par dessus, voilà, et de passer par là, hein, pour éviter cette lave. Bon, je peux descendre, oui, ou pas? Et d'après la map, il y en a encore. On va continuer tout droit. Sable des âmes, on va prendre l'appel. Ouais, dès qu'on peut, genre ici, on va redescendre. Ok, on peut. C'est quoi ça? Sable des âmes. Voilà, là, je pense qu'on va être tranquille. Maintenant, c'est parti. Entre... Je sais pas, on va descendre en... Entre 9 et 21, ou 9, ou moins 9 et 21. Bon, ça doit être 9 et 21. Il n'y a pas de moins, si, il y a un moins. Je sais pas. Bon, de toute façon, il faut se refaire. Il faut se refaire une... Une excavatrice. On va s'en garder un stack de ce truc là. Pop. Bon, ça ira plus vite comme ça. Et puis, tout ce qui est à ranger, on va le ranger là. J'ai un raccourci sur ma souris pour accéder à mes backpacks. Donc j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, et j'ai besoin de 5 de ça. Hop. Et d'ailleurs, oui, non, pas d'ailleurs, il faut faire ça. Ouais, je me suis fait une espèce de table de craft raccourci. Ça évite de la poser. Ok, tout simplement. Toi, je te mets là et toi là. Bon, et ben c'est parti. C'est avec quoi? Avec ça, ça. Allez, allons-y, hein.
On va dire godet par ici. Hein. On va peut-être descendre. Je sais pas si je descends encore. On va encore descendre un peu. Ah mais non, je suis à la bedrock. Ils ont entre la couche 9 et 21. Bon. Il y a de la bedrock dans le nether. Ouais, donc c'est en couche 0. C'est entre 9 et 21. Donc en fait, faut remonter. Quoi. 9 et 21. Ouh, faudrait aller à peu près à 14. Ok. Je suis descendu trop bas. Ok. Donc on va aller là-haut. Ah, allez, c'est parti pour le minage au petit entre guillemets pour chercher de la netherite. On y va comme un bourrin. Normalement, couche 15, on est bon. Hein, entre 9 et 21. J'espère. Après, est-ce qu'il y a un biome plus que d'autres? Je sais pas. La première fois que je vais chercher de la netherite de ma vie, donc. Ah bah, en voilà. Ouais, des débris antiques. Là, pioche en diamant, là, c'est une pioche en améthyste. On va quand même prendre la pioche en diamant au cas où. Normalement, elles sont équivalentes, mais bon. On va pas prendre de risque. Putain, c'est long à miner. Ok, progrès réalisé, il est là. Débris antique, nickel. Bon, bah on en a un. Il m'en faut plusieurs, hein. On va dire. On va faire des trous tranquilles. Eh, hey, mais est-ce que... Ah, je sais pas si c'est un gemme, le truc. Est-ce que lui, trouve les... Est-ce qu'il trouve la netherite, lui? Needle show direction redon with or with scan radius in the horizontal. Ok. Je sais pas si on va voir hein, s'il trouve les débris anciens. On verra bien si on en trouve un. Si. Ah non, pas eux. Pas la lave. C'est une petite poche, une petite pochounette. Digidigding. Ah, il m'indique quelque chose quand même. Il m'indique au-dessus. Il m'indique quelque chose au-dessus. Mais qu'est-ce que c'est? C'est juste là. On va aller voir hein, si c'est vraiment un débris. On va aller jeter un œil. C'était pas là, c'était là. C'est juste au-dessus. À part que c'est dangereux quand même. De miner au-dessus de soi avec la lave. Qu'est-ce qu'il a vu ici? Un débris? Bon. Je sais pas si le Gem Finder il trouve. Toujours un plaisir de te visionner. Je te fais des bisous. Ben merci, toi aussi. Excusez-moi, j'avais pas vu le chat. J'ai pas trop l'habitude de. J'ai pas encore trop l'habitude de live. Donc, ben merci, c'est sympa. Merci. Toujours un plaisir de te visionner. Bah écoute, c'est pas souvent, alors c'est plutôt rare. Parce que pas beaucoup de temps. On profite. Du coup, c'est quoi qui m'a dit le machin? Est-ce que c'est le quartz? Non, il me dit encore au-dessus. Ah, si, là j'ai la truc par ici. Si ça marche avec les anciens débris, on est refait les amis. Là, il me dit que c'est par là en fait. On est sur la bonne hauteur. Là, il dit que c'est derrière. Et le quartz. C'est le quartz, hein. Non, c'est pas le quartz. Pas d'ancien débris ici, moi. Ah, il dit plus rien, donc non. Effectivement, c'était bien le quartz. Dommage. Quoique, peut-être les anciens débris les détectent avec une autre couleur. Ok, on redescend. C'était où? J'étais monté. C'était là. Ok.
Oh, bon, on est reparti, hein, mon kiki. Hein. Ah. Vous entendez la musique? Ouais, je pense. Hein. Qu'est-ce qu'il me dit lui? Il me dit qu'il y a quelque chose là, à droite. Oui, c'est du quartz. Pas d'ancien débris. Des choses, ça c'est chiant. Hein. Par contre, ça va être cette pioche là, parce que j'ai pas une. Ah merde, faut pas faire comme ça, on va y arriver. Ah, oh, je fatigue ce soir. En garde, compressé, hop. On va utiliser ça et il me refaut donc 5. J'ai pris du cuivre parce que c'est. On en trouve facilement, ça va vite. On trouve pas ça comme une ressource précieuse. Donc allons voir par là. À mon avis, c'est du quartz. Hein. Il me dit que c'est en dessous. Ah, c'est toujours du quartz. Bon. Eh ben, arrêtons de regarder la gemme. Arrêtons de regarder le machin finder, là. Est-ce qu'il trouve rien? Si on descendait de 1. On va descendre de 1, je pense. C'est bon, c'est bon. Voilà. Alors, je sais qu'il y a une technique, il faut faire chez tous les je sais pas combien. Moi, j'y vais comme un bourrin et puis on verra. Hein. À part que là, on va arriver dans la. Oh oh. On va dans un mineshaft dans le nether. Il y a peut-être des coffres en même temps. Oh, il y a des blazes. Oh, il y a des. On va se faire des popos. Oui, oui, je t'ai vu. J'arrive. Est-ce que j'en refais pousser plus haut? Je ne pense pas. Est-ce que des potions? Ah, quoi que. Bon. Non, je vais. Avec tout ce qu'il y a là. Voilà. Peut-être qu'on va en faire pousser ici. Je vais quand même prendre ça. Je vais en prendre un petit peu. Et puis. On va fermer ça. Histoire de pas marcher dessus, je me connais. Hop 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 hop. Je t'ai vu. D'avoir un spawner. Fasse gaffe, j'ai plus beaucoup de vie quand même. Ça commence. Ah bah oui, il est là le spawner. Ouais, non, mais je vais le péter. Hein, je vais prendre de risques. Des blazes, on peut en trouver ailleurs. Hein. Ouais, on a la bedrock là. Il y a un coffre là-bas où j'ai rêvé. Non, j'ai rêvé. Et je vais me perdre, je le sens. Je vais mettre des torches. Pour me retrouver comme le petit poussé là. Oh putain.
Mais je sais, j'ai esquivé, mais... Je viens de ici quelque part, non? Non? Bah non, évidemment. J'ai cru. Non. Ah, la Nézurite. On n'est pas venu pour rien. Voilà, on est vu. Deux en plus. Trois. Parce que ça, en fait, il faut le faire cuire. Il faut le faire cuire. On peut faire un ring, mais quand tu le fais cuire, t'as des fragments. Avec des fragments, avec de l'or, t'as un lingot de Nézurite, quoique. Quoique, j'ai un mode qui permet de un lingot de fer, une perle de l'ender permet de faire un lingot de Nézurite. Voilà. Tout simplement. Mais bon, faut avoir des ender perles encore. Bon, ça me dit pas d'où je viens. Je me suis perdu évidemment. Et ça, c'est moi, c'est tout moi ça. Non, il faut que je retrouve mon truc de minage là. Là, j'étais monté. Je viens d'ici, hein. Là, quelque part quand même. Je viens de plus bas. T'es certain d'arriver ici parce qu'ici il y avait le machin. Ou alors je viens d'en face. Oh, il y a un bonhomme. Non, ça, j'étais allé après. Ça. T'es qui toi? Un arpenteur. Oui, bah excuse-moi, mais je te tape. Ah, d'où je viens, j'en sais rien. Ah, ne viendrais-je pas de là? Vas-y, ça fait dring dring. Nao, salut à toi, Na... Putain, Naomcho. Naomcho, c'est ça? J'ai du mal à prononcer. Je suis perdu. Nous sommes dans le Nether. On cherche du... La Nézurite, là, enfin des débris anciens en français. Mais on trouve pas. Enfin, c'est pas qu'on trouve pas, c'est que je me suis perdu, évidemment, parce que... Je suis quelqu'un qui se perd facilement. Et tiens, on peut prendre ça. Tant qu'on est là. Tant qu'à faire. Nan. Oh putain, attends, je. Je vais me faire griller la carcasse là. Ok, je fais comment maintenant, hein? C'est par là, on va le contourner, ça va. La lave a peur des rails. Ah, des copains. Salut, j'ai pas d'or sur moi, désolé. Bon, hé, je suis arrivé là, c'est sûr. Hein, de là. Putain, mais je viens d'où, sa mère? Nam Noam. Nam Noam. Ok. Bon, allez, on se barre. J'en ai marre. On va reminer dans l'autre sens, tant pis. Tu n'auras bien pas retrouvé. De toute façon, le portail est là-bas. Donc, allez, on mine, on va chercher des débris. Je n'irai bien pas retrouver mon chemin. J'espère. Bon, si vous voyez des débris, vous me le dites. Des débris, si vous me le dites, parce que des fois je les vois pas. Je sais pas pourquoi je les mine individuellement, sachant que j'ai pas fortune sur ma pioche, donc bon, ça sert à rien en fait.
Bon, je pense que le mieux c'est d'aller dans l'End pour se faire des Enderperles. Pour avoir des Enderperles pour se faire des débris. Hein. Enfin, des débris, des. De la Netherite. Allez, on va faire un peu le tri là-dedans, là, parce que. On commence à en avoir trop. Et on va ranger dans notre bordel. Tac. Ce dont on n'a pas besoin. Ok. Récupère ça. Ça va pas là. Bon, ça me gonfle. Du coup, on va le ranger ici. Ok. Allez, hop. Du coup, j'étais là, mais j'étais en train de refaire, évidemment. De refaire un hammer. Je sais pas si la musique est trop forte. Peut-être la baisser un peu. Hop, hammer. Voilà. Je sais pas si je suis trop bas ou pas, on va remonter un peu, tiens. Je pense qu'on va retourner vers le portail. On en aura eu un petit peu. Ce qu'on va essayer de se faire, c'est de trouver l'end. Et je sais comment faire. Il y a une astuce. Il va falloir miner un petit peu, mais... Ah. Stalwart Dungeon. Il est pas mal, ces donjons sont pas mal, puisqu'ils donnent déjà de la lave. C'est pas ça le problème. Mais putain de sa mère. Je vais y arriver. Putain, genre la lave, comment elle se propage. Ah putain, je vais pas y arriver. Elle va me gonfler. Voilà. Ces donjons donnent des trucs sympas. Ils sont pas très compliqués à faire. Bon, j'ai essayé de contourner et ça veut pas, quoi. Parce qu'au bout, on va me casser les couilles. Si. Bon, arrête de cramer, bouffe un peu. C'est Minecraft modé, ça? Oui, tu verras quand je serai remonté à la surface. Je suis au tout début, donc c'est normal que là, pour l'instant, je me fais du stuff. C'est du Minecraft aventure modé, c'est pas du Minecraft mécanique modé. Voilà. Bon, je vais y arriver à remonter. Ouais, on va y arriver. Il y a une description j'ai mis une description du live. Qui dit ce qu'on fait. Quel est l'objectif? Et les divers objectifs, parce qu'il n'y en a pas qu'un. Il y aura un petit peu de mécanique, un petit peu un réseau. Il y aura un network bientôt, mais pas tout de suite. Et effectivement, ce n'est pas du Minecraft. Oh, j'ai retrouvé mon chemin. Ce n'est pas du Minecraft modé. Modé mécanique, etc. Bon, allez, de toute façon, je me rentre. C'est payant, je suppose. Qu'est-ce qui est payant? Sur Twitch, y a rien n'est payant, gratuit. Je sais pas ce que tu demandes. Qu'est-ce qui serait payant à ton avis? Pas compris la question. Le jeu? Ah, Minecraft, oui, c'est payant. Enfin, il y a des versions craquées, mais bon. Pour ce que ça coûte,
va coûter, je sais pas, une vingtaine d'euros maintenant. Combien ça coûte maintenant Minecraft? J'ai dû le payer une quinzaine d'euros il y a 10 ans, donc je sais pas combien il est maintenant. Oh, bonjour. Oh putain, et ça y est, ça m'attaque. Ça commence. Toi, tu m'as piqué mon épée. M'as piqué mon épée, cet enculé. Et je peux pas me barrer. Vite, 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 avant de crever. Heureusement, j'avais gardé l'équipe inventory, j'avais oublié de l'enlever. Mais j'ai perdu une épée dans le jeu. Bon, c'est pas grave, hein. Faut que j'enlève l'équipe inventory, je l'avais mis tout au début. Tout au début, tellement c'était compliqué parce qu'il y avait vraiment beaucoup de mobs hostiles. Du coup, faut que je l'enlève. Bon, là, je le laisse pour l'instant. Mais... Faut que j'enlève l'équipe inventory, désolé. Bon, du coup, où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est? J'ai mes débris. J'ai dit que j'allais faire le. J'allais. On allait faire le land. Pour faire land, il y a un truc préfab. Sur le mode de préfab. Qui permet de bâtir le. Je crois que c'est lui. Ouais, c'est lui qui permet d'aller dans l'end. Donc, lui, on va se le faire. Pour cela, il faut de la double pierre compressée. Il faut un briquet, évidemment. Non, c'est pour aller dans le Nether, ça. C'est pas pour aller dans l'End. C'est lequel pour aller dans l'End? Je me rappelle plus. Je cherche plus. Je crois que c'est maison modérée, point instantané, c'est pas ça. Il y en a un pour aller dans l'End. Base navale. Ah, passerelle de l'Ender, c'est celle-là. Ça, c'est pour aller dans le Nether. Celui-là, j'ai pas besoin. Il me faut ah du quartz, des blocs de quartz. Bon, ça va. Du triple pierre compressé et de la prismarine. Ok, donc il faut qu'on trouve un temple. On va faire dodo, ça va être la nuit. Faut qu'on trouve un temple. Ok. J'ai rien d'autre à vider, si, là-dedans, là. Là-dedans. On va se vider de tout ça. On va ranger nos bordels. Pour l'instant, on est au début, donc hein, c'est le bordel dans les coffres. Mais on verra après, des blocs, des machins. Donc les blocs, on va les foutre là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à ranger? On va les mettre là. Quoi qu'il faut les faire cuire, c'est ça? Va les faire cuire en attendant. Algues séchées, je m'en fous. Algues de sang, je m'en fous. La netherrack, bon, on va la foutre là. Et puis ça, on va le foutre là. Le reste, on va le foutre là-dedans. Ok, non, pas là. Ici. Commençons à ranger un tant soit peu. On va y arriver. Bon, avec tout ça, j'ai perdu mon épée. Bon, j'ai quelques diamants. Je vais me faire une épée en diamant quand même. On va être faire le radin. Ce que je ferais bien, c'est avec ça. Parce qu'il en faut combien? 1, 2, 3. Merde, il en faut 4. Il en faut 4. Bon, bah tant pis. Bon, on va se faire une épée en diamant normal pour l'instant. Oui, parce que les mods nous bouffent les épées. Ça arrive. Nous bouffent notre stuff. Donc, faut faire gaffe. Bon, c'est la nuit, on va dormir. On va le ranger ça dans le précieux. Ok. Un autre qui cuit. Non, c'est bon, tout est cuit. Ok. Je disais, ce qui était intéressant de faire, c'était table d'enchant, on verra après. Il me faut du quartz et de la prismarine. Donc, un bateau. Parce que au niveau map. Oh, c'est quoi ça? C'est gelé ou quoi? Faut trouver un temple marin. Herobrine n'est pas là, non. Ah bah, on l'a pas vu. On l'a pas vu aujourd'hui. Enfin, ce soir. Ouais, on va se faire un bateau. On va se faire un bateau. On va se faire un bateau. 6. Je crois.
Ouais, on c'était 5. Ok. Allez, hop. Allons voguer. Faire un petit... Parce qu'il me faut de la prise marine, donc faut chercher un temple. Un temple de l'eau. Un temple de la mer, je sais plus comment ça s'appelle. Moi, il me faut que quelques prises marines. Après, je me casse, quoi. Je fais pas la... Je vais pas me tuer le boss maintenant, parce que trop costaud, quoi. Trop costaud avec le peu de stuff que j'ai. Je suis pas enchant, j'ai rien. C'est quoi, ça? Des algues? Enfin, des... Comment ça s'appelle? J'ai perdu le mot. Je cherche le mot. Un truc qui pique là, dans l'eau. Lui, il est un peu gros, on va se barrer. On va l'éviter. Bon, y a-t-il un temple? En même temps, on découvre un petit peu d'aventure. Beaucoup plus d'animaux. Marins aussi. Sur la map, rien qui... Rien de particulier. On découvre, on se balade. Des fois qu'il y aura un petit bateau, c'est quoi cette plateforme là? Des fois il y a une plateforme, on se demande ce que c'est. Les restes d'un bateau échoué. Certainement. Là, il y a un poisson qui a crevé. Ça fait becter. Bon, bah on se promène. Hein. La prise marine. Quoi, quand on est dans les océans chauds, ouais, non, c'est n'importe quel océan hein, où il y a les temples marins, je pense. Ah. Mais dans un océan chaud, d'accord. Il y a des requins, on va se barrer, on va pas se faire becter maintenant. Con. Je pense qu'ils attaquent. Hein. J'ai un truc qui s'est fiché. Ah. Oh, pardon. Méduse. Ça y est. Le mot m'est revenu. Bon, c'est modé, mais il n'y a que dalle dans l'eau là pour l'instant. Là, il y a un petit coffre. On va se le faire, hein. Youp là. Bah, qu'est-ce que tu fous là, toi? T'étais perdu. Ah non, non, tu viens pas dans mon bateau, hein. Juste, t'as que des patates pourries. Tiens, je te prends du bambou, ça peut servir. Ah non, tu descends de là, hein. Ah, tu te démerdes, là. Chacun son bordel, hein. Ah non, non. Tiens, je vais faire le bateau là-bas. En plus, je crois que j'ai un artefact qui me permet de respirer sous l'eau, donc... Oh, il y a un bateau là-bas. Il y a un appel, le Valana jusque là-bas. Ah bah, il y a un portail du Nether ici, en dessous. Oh, il y a un truc d'orque là-bas. Je sais pas si les orques je peux me les faire maintenant. C'est un peu tendu je crois pour l'instant. Le machin pour respirer, c'est ce truc là. Ah non, ça c'est... Oui, c'est ça. Hop, faut le mettre là à la place de ce truc là. Et hop. Oh putain, je vais vite. Ah oui, plus 300 de speed là, pour nager là. Bon, il y a des soupes, du charbon, on s'en fout. De toute façon, pourquoi je me speed? Que de toute façon, j'ai le quoi? Je peux respirer. Ok, c'est quoi ça? Attract entity Weezing 25 blocs radius. C'est bon ça? C'est bon, c'est bon. Ah, ma première émeraude. Ouais. C'est toujours chiant de sortir là-dedans. Bon, moi, j'y arrive jamais. Voilà. Il n'y avait pas un autre coffre? Si, on a un plus haut, non? Non, 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 c'est tout. Et celui-là, celui-là.
Il y en a pas un avec une porte, si, celle-là. Avec que dalle. Ah, par contre, non, carte de trésor, au cas où. Du papier, je ne sais pas. On va le prendre. On va regarder la carte du trésor. Va remonter. Va remonter, j'ai dit. Par contre, empêche de respirer, il faut le virer. Après mes souvenirs. Hop, et on remet ça. Il y a un bateau et il y a une carte de trésor enfouie. Ah non, c'était bizarre. Non, c'est une map, ça. Oh, il y a plusieurs bateaux. Ok. On n'est pas venu pour ça. Parce que les bateaux, pour l'instant, ils sont trop chauds à faire, je pense. Il me faut. Les orques, c'est un peu tendu aussi à faire pour l'instant. J'ai envie de mourir encore une fois, surtout que j'ai pas encore. Faut que je renlève le keep inventory. Ça la prochaine fois. Une perle? Pas ce qu'on fait avec une perle, mais bon. Bon. Beaucoup d'océans. Des bateaux. Mais pas de temple. Et d'aller par là-bas. Allez, nage. Hop, demi-tour. Par là, par là, par là, par là. Par là. Bon, on découvre un petit peu, on se balade. De toute façon, c'est la nuit, on est tranquille. On va pas se prendre la tête. Attends, on a cassé, oui, je sais. Là-bas, il y a un portail. On va aller voir s'il y a un coffre. Pour l'instant, la map n'avait pas beaucoup d'eau. Mais pas terrible. J'ai fait une autre map avant hein, pour essayer le jeu, les modes, etc. C'était un peu mieux. C'est qui ça? C'est un boss, ça. C'est un lapin. Oui. Au revoir. M'a pas vu. Ça, c'est quand on sera hyper stuffé. Il y a un mode qui s'appelle boss, je sais plus quoi, donjon boss, machin. Et il y a une vingtaine de boss hyper chelou à faire. Et donc, pas pour tout de suite. On est vraiment au tout début de l'aventure, quoi. Hein, donc voilà. Je vais jeter un œil à ce machin là-bas. Pour l'instant, on se promène. Cherche un temple. Temple marin, temple de l'eau. Carcasse d'une baleine. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose ici. Progrès réalisé. J'ai des dents de requin, j'ai eu un truc comme ça. Là, il y a des pirates. Wow. C'est qui attaque mon bateau là? On va se poser, voir un petit peu ce qui se passe là. Il y a une tombe. Souvent dans les tombes, il y a des trucs intéressants. Récupère mon bateau au cas où. Je sais, ça se fait pas, mais. Mais on va le faire quand même. Voilà, il y a des trucs intéressants. Ouais, on s'en fout. À quoi que si, ça je le garde pour le faire cuire. Eh ben, il y a que dalle. Bon. Des fois, je disais que des fois qu'il y avait des trucs intéressants, mais pas souvent. C'est un village, c'est pas le mien, ça. Ce n'est pas mon village. Un village de pirates. Bon, vous avez pas de prise marine de toute façon. Bon, où suis-je? Bah, je suis carrément isolé. Hein. Par là, il y avait des terres. En même temps, notre village, il est là. Nous, on est là. On va essayer de passer par. Je sais pas, on va essayer de remonter vers le nord. Hein. On va passer par là. Faites pas peur comme ça, les animaux là. J'ai
j'ai rien rangé. Ah ouais, non, j'ai rien rangé. Bon. Hop, bon, je range à l'arrache. Quoi que j'ai eu? Pachyderme, mythe. Ma foi. Allez, hop. Bon, il me reste quelques steaks. Ça, je peux le jeter. Ah merde, c'est la nuit. J'ai pas de laine, hein. Pas de laine pour faire un lit. Pour passer la nuit. Oh merde, il y a un village. Demi-tour. Ah, il y a un bateau là. Qui a l'air échoué. Je vais aller piquer sa laine. On va pas prendre de risques. On va aller roupiller chez l'habitant. J'irai dormir chez toi. C'est ça. C'est même plus que dormir chez toi, parce que je vais déjà te virer de ton lit et je vais dormir. Voilà. Merci. D'ailleurs, je pourrais vous piquer un lit. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ouais, j'ai besoin de bouffer. Il y en a encore une là, dommage. Tiens, je vais la tuer. Ouais, trop mimi. Elle est morte. Et donc, je disais, je vais vous piquer un lit. Ou alors, je vais piquer la laine là-bas. On va piquer la laine là-bas. Waouh, 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 waouh. Je suis en train de cramer, lui, tant mieux. Bonjour. Oh putain, mais t'as un... Waouh, 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 il est balèze, lui, hein. Bon, ça, je fight pas trop, putain, hein, pour l'instant. Parce qu'ils sont trop balèzes, quoi. Oh non, je vais pas crever encore. Qui c'est qui me pique, là? Encore empoisonné? Encore 2 secondes. Et pour ça, je vais pas les attaquer, eux, encore. Ah, mais là non plus, c'est des pillagers. Je voulais piquer leur laine, mais non. Je vais pas y aller. Vous avez pas de la laine, les villageois, là? Ils ont pas une tente, une cornée comme ça, que je peux leur piquer? Ah non, c'est des maisons du désert, il n'y a pas de... Ah, par contre, ça, c'est intéressant. Ça me permet de rentrer à la maison. Il y a une waystone. Intéressant, intéressant. Bon, je disais que j'allais vers là, par là. Ils sont bien sur leur petite île. Tranquille. Par contre, j'ai bientôt plus à bouffer. Et toujours pas de temple. Bon, on va passer par là. C'est parti, mon kiki. Alors. Allons-y, allons-y. On se promène. Ah, c'est fou qu'avec l'immensité de trucs, il n'y ait pas un seul temple. Pas beaucoup de prismarines, il m'en faut un petit peu, c'est tout. C'est quoi ce machin? Des animaux chelous. Un bateau isolé là-bas. J'observe, je cherche. Un noyer ici là. Un dronette. Alors, personne sur ce bateau là. On a un grand océan, c'est sûr. Alors, on va pouvoir récupérer de la laine au moins. Yeah.
petite barrière et tout. Ok. Bon. Marche arrière. Pas par là qu'il faut aller. Voilà. Je crois. Hein. Encore un petit bateau là. Ou alors je vais plus à droite. Hein. Ah, elle est plus à droite. Un petit bateau, non, c'est un gros bateau ça. Oh, c'est un live posé, hein. On est posé. On est tranquille, on se prend pas la tête. On se balade. C'est ça l'avantage des lives. Contrairement aux vidéos où tu fais ton truc tout seul dans ton coin et puis après tu dois prendre les meilleurs moments. Là, il n'y a pas de meilleurs moments parce qu'il se passe rien. Là, par contre, on dirait qu'il y a un truc là dans l'eau. Je sais pas ce que c'est, mais. Ah, mais c'est un bateau renversé. J'ai un œil là-dedans. Je vais remettre ma bouboule. Allez, elle est là. On va la mettre évidemment. Tac, tac. Hop là. Des anémones. Que dalle, hein. Parce que je fouais qu'une dalle, moi. Carte de trésor enfouie, cette fois-ci, ça marche ou ça marche pas? Ah, là, oui. Ah, il y a un trésor. Ah, mais faut faire demi-tour. Où mon bateau? Bon, faut enlever ça, si j'ai bien compris. Il serait par là, le trésor. Tout droit. Allons voir, des fois il y a des émeraudes. On va pas passer trop près du bateau quand même, mais de toute façon terre en vue. Terre en vue, mais ah, un donjon. On ne va pas faire maintenant, évidemment. Je suis un peu haut. Mais bon, on doit se rapprocher, je pense. On va aller voir un petit peu ça. Ouais. Donc, il est par là. À la recherche du bateau. Du trésor, pardon. Faut que j'aille encore plus par là. Hein. Non, c'est pas par là, c'est par là. Voilà, il arrive. À peu près de ce machin, hein, mais bon. Bon bah ça a l'air d'être là-dessous. Hein. Allons-y, excavator. Putain, pile poil. Ça c'est pas du bol ça. Alors, des artefacts. Intéressant. Augmente la vitesse d'attaque de mêlée du porteur. Intéressant. Celui-là attraque les items. Ok, ça j'avais déjà. Évidemment, un cœur de la mer, ça c'est intéressant. Du fer et des émeraudes. Ok, nickel. On peut jeter la carte. Du sable, on peut le jeter. Ça, on peut le jeter. Non, le bois, la laine. Ouais, on peut le jeter. Hop, on peut jeter et on peut jeter. Ça, je sais pas ce qu'on peut faire avec la corruption. Dark Iron, I got. Ouais, on peut faire des trucs. Faut pas le jeter. Ok. Bon, on a eu du cul parce qu'on est tombé pile poil sur le.
Bœuf cru, il faudrait que je fasse cuire parce que j'ai plus. Du coup, ça, c'est quoi? Attraque les items. Ça va dans le trinket. Ça, c'est dans la main. Donc, ça, on peut se le mettre. C'est-à-dire que, hop, si je fais ça, regardez, j'ai la main crochue. Oh, un éléphant! Par contre, ça, je pense pas. Hein. Attraque les items. Oh, quoi qu'on peut se le mettre pour l'instant. À la place de celui-là. Non, de ça. Hop. Du coup, ça fait office. Ça fait office de. Comment dirais-je? Dément. Voilà, on va y arriver. Bon! Quelle heure il est? 1 heure? On va continuer un petit peu. Il y a quoi là-dedans? Alors, je sais qu'il y a un mode qui déconne ou dans les tours. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, avec mon crochet. Tu crois que je l'ai chopé, lui? Non. Ouais, donc je disais, il y a un mode qui déconne où dans les tours, les spawners, c'est des spawners à cochons. Et non pas des spawners à zombies, etc. Évidemment, j'ai jeté mes blocs. Hein. Ah non, ils sont là. On peut les récupérer. Si c'est cette tour-là, on peut se la faire. Ouais, c'est générateur de cochons. Allez comprendre pourquoi ce mode est buggé. Ou c'est fait exprès, je ne sais pas. Mais du coup, il n'y a aucun risque. Et on récupère des loots hyper intéressants. Ouais, je sais que là-dedans, il n'y a rien. Donc, bon, on va se le faire tranquille, puisqu'il n'y a aucun risque. Des générateurs de cochons, je ne sais pas. Ou alors c'est. On pourra récupérer les enchantes après. C'est mal configuré. Peut-être une config, j'ai pas vérifié. Pas compris. C'est vide. Ouais, générateur de cochons. J'avais vu ça dans mon test de ce mode. Ouais, des Ender Pearl. Il y a quoi comme enchante là dans protection 1, protection. Bon, celui-là, j'avais pas besoin. Parce qu'après, j'ai un mode qui permet d'extraire les enchantes. On aura besoin pour aller fight. Ah, c'est cool les Ender Pearls. Bon, les os, j'ai un petit name tag des familles. Voilà, en plus, c'est vachement intéressant ce qu'il y a dans le coffre. Il y a des diamants et tout. Ouais. Par contre, ce serait des squelettes ou des machins, ce serait un peu plus dangereux. Mais projectile, j'en aurais pas besoin. Solidité, j'en aurais pas besoin. Ok, une carotte en or. On a des trucs sympas. Hein. Ouais, je prends pas tout parce que sinon. J'en sors pas. Petite carotte en or, des diamants. Ouais, des pépites de fer, pourquoi pas. C'est vachement haut, il y a beaucoup d'étages. Toujours des. Voilà. Non, j'ai pas besoin de filtrer. On va prendre ça. Ici, diamant. Protection 1, on va le prendre, pardon. Ouais, dans les trucs, c'est jamais rien. C'est pas. C'est pas cheat ça. Au moins. Du coup, voilà, Smite 1, on va le prendre. P1, on va le prendre. Intéressant. C'est cheaté là, mais bon, c'est pas de ma faute. Enfin, c'est peut-être mal configuré. Je regarderai quand même pour la prochaine fois parce que là, mine de rien, j'ai récupéré 9 diamants. Bon. Et nous voilà sur le toit, il n'y a rien. Et c'est le mode de Zombie Army. Et pourtant, il y a plein de modes. Hein. Enfin, il y a plein de monstres qui sont du mode Zombie Army qui m'attaquent dans ailleurs que là. Je ne sais pas. C'est peut-être fait exprès parce que ça, je sais pas, c'est de la Rotten Block. Je crois qu'on n'en fait rien. Je vais pas y toucher. Encore un châtiment, une solidité qu'on pourra réutiliser. Peut-être bien, c'est les Ender Pearls surtout. Voilà. Et bah, du coup, ce qu'on va faire, vu qu'on a de la laine, c'est qu'on va prendre ça. On va faire un petit lit de camp. Normalement, j'ai de la laine. Je sais plus où je l'ai foutu. Et je l'ai foutu là. Hop. D'ailleurs, on va tout ranger. Ça aussi. Non, pas la laine, évidemment. Tac. Voilà. Nickel. Et donc là-dessus, on va faire un petit sac de couchage. Et puis on va se coucher.
Tranquille. C'est quelle touche? Je crois que c'est F7 les. Non, c'est pas F7. Les progrès, je ne sais plus quelle touche c'est. Progrès, c'est là. Parce que. Ça, c'est les progrès normaux. Même pas. Commercer, etc. Il y en a des progrès à faire. Que Cracked Egg. Welcome to Diamétis. Ouais, j'ai le mode When Donjon Arise. Du coup, vous le voyez un peu, tout ce qu'il y a à faire. Find the Shree Rise Palace. Mais c'est pas celui-là dans le Nether. Bon, ça, c'est standard, les boss. Dirt, make a pile of dirt. What? Faire une pile de dirt. Extra arc. Ah, machin. Je sais pas ce que c'est. Bon, l'agriculture. Les modes. Minecraft standard. Tout ça, je ne sais pas ce que c'est. Better animaux. Meet your fight. Repurpose structure. Ouais, il y a quelques achievements à faire, hein. Voilà. Ça. On le range chez dans nos affaires. Le reste, on le range ici. Voilà. Du coup, on va le ranger là. Il y avait quoi d'autre que je voulais garder sur moi tout le temps? Enfin, là, ça. Voilà. Et puis, bah évidemment. Hein. Hop. Si, il a un slot, lui. Il a un slot. Voilà. Bon. Avec tout ça, on va se rentrer. Hein. Bon, on va reprendre le bateau. Il pas sauter là, il n'y a pas de l'eau en dessous. Y a un squelette. Et des kangourous. Oh ça. Ah, j'ai un seau d'eau, non? Un seau d'eau, moi. La flemme de redescendre à pied. Connerie. J'allais plus vite que l'eau, mais. Voilà, ça va plus vite comme ça. Je vais aller voir les kangourous. Non, il y avait une tombe ici. Pas faite celle-là. Ah, du cuir, tu m'attires. Quoique, je vais prendre ça aussi pour le faire cuire. C'est quoi que ça comme animaux? Des émeus. Tout ému. Vers des émeus. Des kangourous. Sympa, j'adore. C'est de l'aventure. Modé. La preuve. C'est des modes. Du coup, je vais par là, hein, j'ai dit. J'allais rentrer au bercail, non? Alors que je reprenne le bateau après, mais je vais rentrer quand même. Histoire que déjà, il faut que je récupère mon bateau qui est là-bas. Ah, ça se récupère. Il y a des éléphants et tout. Hein. On rappelle dans le temps le mode qui s'appelait je ne sais plus comment. J'ai des trous de mémoire moi. 65 de vie. Vous avez l'air coincé là, vous avez toute la place, allez par là. Eh ma foi. Bon, il est où mon bateau? Il est là. Oh, j'ai un œuf. Ah, des œufs d'émeu. J'ai piqué des œufs d'émeu. Ça doit se manger en plus. Des asticots, ouais, merci. Les feuilles de chêne, j'avais pas besoin. Ça, c'est la poubelle. Hein. Pour info. Donc, par là. Hein. Allonger la côte. Niveau map. Ouais, ça a rien d'aller. C'est histoire de se déplacer quoi, de se trouver. On n'a pas fait grand chose dans ce live, mais c'est des barrières là, je voulais savoir pourquoi. Ah, c'est un bateau échoué ça. Ça m'étonnerait qu'il y ait un trésor quand même. Donc j'ai pété ma pioche donc. Ah bah si.
Projectile, je m'en fous. Pratique quand même le Vine Mine. Hein. Ah, il n'y a pas d'autre. Normalement, il y avait un coffre là, mais il n'y a pas. Non, il n'y a pas. Allez, on casse. Tant pis, j'ai bien tenté. Mon bateau, je l'ai récupéré? Non, évidemment. Oups. Par où allons-nous? Les bébêtes là. On n'a pas vu Robrin aujourd'hui. Ça, c'est quoi ça? C'est un bison. Un bison qui fait de l'aquagym. Mais il y a un bison. Pas très futé celui-là. Bon, je vais rentrer à pied moi. Ça c'est quoi? Un rhinocéros. Il te manque des guibolles ou comment ça se passe? Bah, oh là, tu fais le. Tu fais un peu de. Un peu le bruit d'une vache quoi. T'es mort ou comment? Ouais. Ok. C'est rose qui fait le bruit d'une vache. J'adore. Où je suis? Où suis-je? Je sais pas, je vais prendre mon bateau, je vais passer par là. Là, toi. Ouais, j'ai dit que j'allais par là. Je sais pas, on se promène. Et une tombe. Je vais pas réussir à rentrer. Mais au moins, on s'équipe tout doucement, tranquille. On profite qu'il n'y a pas de trop de monde encore pour l'instant, trop de monstres, trop de boss. Hop. Du coup voilà. Ciel, on peut s'en servir ça. Peut-être pas besoin d'autant. Là j'en aurais besoin. La poudre. Toujours besoin de la poudre. Et pour. Oh, ça va être la nuit. C'est quoi comme arbre ça? Ça va être la nuit. Vite fait, on va prendre notre sac de couchage. On va dormir là avant de partir. Encore la nuit. On observe un petit peu. Non, on n'y voit pas. Que nenni. Peut-être pas la nuit. Hein. Bon allez, on va nager. On va rouler de nuit. Possible que tu rentres dedans ou comment ça se passe? Ah, il a planté. Quand ça fait ça, c'est qu'il a planté. Le jeu a planté. Je ne sais pas pourquoi, mais il a planté. Il a planté. Bon, 2 secondes, on revient. À sauvegarder, mais sauvegarder et quitter le jeu. Mon premier plantage. Bon, il veut pas sauvegarder, faut qu'il ait la tâche. Et ben, killon. On va le relancer. Quelle heure il est? Ouais. Qui c'est qui a planté? Bon, je regarderai plus tard. Donc faut virer le keep inventory, j'ai dit, pour la prochaine fois. Et puis faudra regarder le crash parce que ça a crashé.
On avait un gros plan. Bon, je vais changer ma pile, tiens. En profiter. Hop. Donc Minecraft redémarre. Il y a quelques modes, donc c'est un peu long. Aïe aïe aïe. Ouf. Hop. On a relancé. Avec la musique du suspense. Alors où est-ce qu'il a planté? Toute la question est là. Est-ce qu'il a planté il y a 10 minutes ou... Il a perdu beaucoup. Suspense. La recharge. Ah non, on est au rhinocéros sans jambes. Ah bah, si je vous le mets pas, vous risquez pas de voir. Donc oui, on était au rhinocéros sans jambes. J'étais descendu voir quoi moi, la tombe, il y avait. Si il y avait des trucs intéressants, voilà, on va se le retenter. Hein. On va voir si ça replante là. Oula, ah bah si c'est fait. Ah bon bah. Ma foi pas compris. Ma foi pas compris. Donc on descend. Essaye de passer à travers les. Et hop là. La clé, j'en ai pas besoin. D'argile. J'ai pas l'impression. Oh, c'est quoi ce monde là? Oh putain. Quand il va falloir se faire ça, les amis. Va falloir être équipé. Hein. Kangourou, abeille. C'est joli. Dommage qu'il pleuve. Oh, il y a des vaches. Non, j'ai pas besoin. Il y a des grandes. Je sais pas comment on appelle ça. C'est peut-être lui qui a fait planter là. Je sais pas. Il y a des animaux, il y a des ours. Hop, hop, hop. Il y aura de quoi explorer, il y a de quoi explorer. On va s'éclater, je le sens. Par contre, je vais dans le bon sens, moi, parce que... Ma maison, elle est où, moi? Si je passe par là... Je passe par... on va aller jusque là. Comme ça, après, pouf, on fait comme ça, on découvre. On découvre ce qu'on a à faire. Ce qu'on aura à faire plus tard. On découvre certains bâtiments. Là, on a des bambous. Là, à droite. Hein. On est à droite. On découvre un peu du paysage, des donjons qui seront à faire. Oh, des crocodiles. Oh, ça fait peur, lui. On dévoile la map. Ah, c'est quoi? Vous êtes quoi, vous? Des oies. Oui, oui. Faites pas tomber. J'aime bien tous ces animaux, moi. Qui manque d'animaux moi dans Minecraft. J'ai dit qu'il fallait que je passe là, je pense. Hein. Ah non, descendez. Descendre jusqu'au cul-de-sac là. Descendre, descendre, descendons. Encore des éléphants. Ah. C'est moi où j'ai vu une tour. Ouais, il doit avoir une tour quelque part. Je crois. Là je vais dans quel sens, mais j'y vais. Ah des poulpes. J'en ai pas besoin pour l'instant. Ah ben il y a encore des maisons là, il y a un petit village, on va aller jeter un œil au village. Ces grottes qu'il y a maintenant. Sympa. Dommage qu'il pleuve.
ben voilà un petit village, ma foi, fort accueillant. On va aller dormir chez l'habitant, encore une fois. Sauf si on peut pas, enfin je sais pas, non c'est pas la nuit. Bonjour, je viens piller vos coffres. Ah bah ça, une table de forgeron, j'en ai besoin. Bah je vais en avoir besoin. Eh, j'ai des enderperles. Je vais pouvoir me faire de la noserite, les amis. Y'a rien ici. C'est vrai. On va se faire de la noserite, comme ça on va se faire du stuff. Après, il faudra passer aux enchantes. Faut que je me fasse... Ah, désolé, j'ai faim, donc faut que je... Bon, je passe au-dessus des barrières, moi. Ok. Ah, j'ai pas beaucoup de bouffe, alors il faut que je me serve. Ah bon, bah je saute au-dessus des barrières. C'est quoi ça? Ah, les creepers évitent le porteur, c'est bon ça. Je prends, j'achète. Et ça, when eating, you apply slowness 2 for 10 secondes. You freeze the water, you walk in. Ouais, mais je sais pas où ça se met. Faire un peu de pain. Par contre, les pantoufles, ça fait fuir les creepers. Là, je les mets. Normalement, on peut les mettre au pied. Voilà, par contre, ça, je sais pas. On peut le mettre quelque part. Ouais, bon. Il n'y avait rien d'autre. Hein. Ah bah voilà, c'est la nuit. Ah, je peux pas. Je peux plus jeter vu que j'ai mon aimant. Pas grave. Ah, puis on ramasse tout. Hein. Oh, il y a un cimetière dans votre village. C'est triste. C'est triste, je vais dormir avant que je me fasse exploser la tête. Pardon, je dors. Où c'est vous? Merci. On va arrêter la pluie au moins, en plus. Bon, on va aller explorer le cimetière du coup. On va aller piller le cimetière. Voilà, tu es parti mettre des fleurs. C'est triste. Passer ou comment ça se passe? Ouais, il y a des os, ouais, c'est sûr. Mais il y a aussi des choses intéressantes. Ranger. Oui, ça oui, ça oui. Bah, tant pis, je jetterai plus tard. Oh, j'ai ça là. C'est quoi ça? On fait quoi avec ça? De camp, slime cripe, permet de faire des boules de slime, pourquoi pas. Vigueur 3, je prends. Un peu de ficelle, désolé. Ah, mais il y a des mobs spawners, générateur de squelettes. Ah non, mais non, oui, mais non, oui, mais non. Ok, normalement, il y a une tête de Wither à récupérer dans ces cimetières. Vérifier, mais. Ok, on prend ces conneries. Il y a surtout une enclume qui m'intéresse aussi. Putain, il y a des éléphants et tout. Même si elles sont utilisées, c'est quoi ce truc qui est caché là? Oh, c'est une tortue. Tortoise. Je disais quoi moi? Ouais. Normalement, il y a une tête de squelette quelque part. De Wither squelette. Mais là, il est trop petit le cimetière. C'est dans les grands cimetières, il y a ça. Là, c'est un tout petit cimetière. Par contre, les enclumes, ça, c'est intéressant. Ça évite de gaspiller du fer, quoi. Ça coûte cher, en fer. Bon, du coup, je peux sauter au-dessus des murs. Pourquoi pas. Bon, il vous reste un cochon, on va le tuer. Hein. Là, je mange. On va aller vérifier les coffres.
dans ces petits villages. Je suis venu ici. Une hyène. J'ai dû venir ici. Oh, qu'est-ce qui se passe encore? Ma gueule, c'est ça? Mais bon. Maté. Oui, pas mal ce village, il est grand. Bon, là-dedans, il n'y a jamais rien. Hein. Mais bon, on vérifie quand même. Hein. Et le même cimetière que tout à l'heure ou... Oui, c'est le même cimetière. J'ai pas, c'est un j'ai pas envie de tuer un éléphant, mais... Ah, il me faut de la bouffe, hein. Pour faire d'élevage, hein. J'ai pas à prendre monde, j'ai pas que ça à faire. Ah, ça, ça peut servir. Stone Cutter. Oui, j'ai piqué ton métier, je sais. Mais je vais pas vous exploiter comme ça. Il y a un mode, encore une fois, qui permet d'exploiter les villageois. Je vous montrerai ça plus tard, dans les prochains lives. Qui fait ce bruit-là? Pour toi. T'as pas de coffre. Ah, ça, c'est intéressant. Bah, par contre, il y a des villageois, il y a des pillagers. Je sais qu'il y a des coffres intéressants dans ces tentes. La preuve. Des bouteilles d'XP. Il y a de la laine. Ça, je m'en fous. Ben, c'est reparti. Ça, je le rangerai après. Voilà. On va checker des trucs intéressants ici. Par contre, tarantule maintenant. Après les migales, les tarentules, sans déconner. Faut pas être arachnophobe ici. Un village de tentes. Oh, des petits trucs intéressants. Surtout l'XP. Non, pas le casque en fer, m'en fous. Un blaireau. Ah, ça, on a besoin. Toujours besoin de ça. Pour faire de la colorant rouge. Bon, j'ai connu mieux dans ces coffres là. Mais bon, c'est pas grave, c'est de l'exploration quand même. Pas par là qu'on passe. Pas par là non plus. Ah. C'est bancal votre terrain, les amis. Bon, vu que j'ai quelques rosiers, on continue. Il hein. Y a des bruits chelous quand même. On peut pas passer là, non. Enclume, je prends. On peut faire des trucs avec ça. Je sais pas. Toujours pas de prismarine en tout cas. Mais tout ça, on va avoir besoin. On va avoir besoin, je vous dis. Un four, tant que je peux éviter de crafter, moi. Des moutons, on fait de la bouffe. On se prépare pour les futures aventures. Faudrait que je stocke mon XP, ça tombe bien, j'ai quelques émeraudes parce que j'ai un truc qui permet de retenir les XP. On est bien, on est bien. Encore un émeu. J'ai perdu mon bateau, je crois, mais bon, c'est pas grave, on n'est pas un bateau à dire. Je vais rentrer à la maison. Le H qui est là-bas à 400 mètres, on va y aller à pied un petit peu à travers la faune sauvage. Je regarde. Ah oui, j'ai faim. Bon, les orques, non, pas encore. Je ne me sens pas encore assez fort. Vous verrez ça dans des prochains épisodes. Ils ont des camps comme ça.
Y a pas grand chose dans leur château, mais bon. Là, par contre, on va aller jeter un œil. Ah si, j'ai mon bateau. On va pas se mouiller, hein. On va pas se mouiller les pieds. Voir ce qu'il y a là-dedans. Ma curiosité, des fois, elle est un peu. Oh putain. C'est pas cheaté, ça? Ben allons-y, hein. Profitons, hein. Je sens qu'on va rentrer, on va ranger tout ça. On en aura besoin, hein, je vous le dis, hein, des totems d'immunité. Hein. Ah, mais il y a encore un coffre ici. Puissance 1 pour le casque. Rien là-haut. Pense que là-haut, il n'y a rien. Ouais. Je suis curieux quand même. Il y a une échelle ici. Ah oui, si. Ah ben encore ce mode. Ouais, normalement, ça doit être bien protégé, hein, mais les générateurs de cochons, je vous avoue que faut que je regarde vraiment pourquoi. Par contre, il y a un serpent là-bas. J'ai pas envie de me faire piquer les fesses. Donc, on se barre. Eh ben, on n'est pas venu pour rien. Oups. Je crois qu'ils ont poison, certainement, ces serpents. C'est bien foutu, hein, franchement. C'est bien modélisé, je trouve. Enfin, une tête d'abruti, un kangourou. Allez, 130 mètres, on arrive à la maison. On aura fait un petit tour ce soir. On s'équipe tout doucement, on s'équipe. Bon, l'objectif, c'était de faire de la netherite. Raté. Quoique, j'ai des enderpearls, non. Et l'objectif, c'était quand même d'aller dans l'Endo aussi. Oui, je vais faire un petit dépôt, je crois. Qu'est-ce qu'on a trouvé de rare? C'est un truc rare que je peux lui donner, un cœur de la mer? Est-ce que je vais m'en servir de ça? Non. Est-ce qu'on peut lui donner? C'est pour l'apaiser. On va voir. Hein. Altar, Herobrine. Est-ce que je peux lui donner ça? Ouais. Je sais pas ce qu'il m'a donné en échange. C'est peut-être pour ça qu'il apparaît moins. Parce que je lui ai donné déjà deux pommes d'or. Plus un cœur de la mer. Je pense que c'est ça. Par contre, il y en a un qui. Ficelle là. L'araignée qui fait l'araignée qui fout de la ficelle un peu partout. Déjà la nuit encore. M'en fous, j'ai mon lit là. Bon, on va ranger notre bazar. Tu. On commence à être équipé, on commence. Par contre, les gamins, arrêtez de venir dans mes pattes, hein, c'est moi qui vous le dis. Bah, ça, on va le garder avec nous. Hein. Dans notre backpack. Non, lâchez-moi, à chaque fois que j'arrive, on dirait que je suis une attraction, quoi. Ça, on peut les faire cuire. Ah ouais, il faut les faire cuire sur un feu de camp. Non, dans un four. Dans un fumoir. Enfin, dans un fumoir. Hein. Casse-toi. Ouais, je suis pas votre copain. Je veux des œufs au plat, moi. Ça donne plus. On va ranger un peu. Faudrait que je fasse. Ouais, mais pas ici. On n'est pas là, on n'est pas chez nous là. Faudrait qu'on s'implante un de ces quatre. Mais quoi que c'est pas compliqué à faire quoi. C'est simple à faire un inventory connector. Mais bon. Allez, on fera plus tard. On va pas faire notre network ici de toute façon.
Voilà, on a des eaux plats. Tout ce qui se bouffe, moi je prends. Hein. Ça, c'est à nous, on va ranger, c'est là. Ça, je le garde avec moi toujours. Voilà, un peu de bouffe, quoi. Celui-là, on va le bouffer, lui. T'as pas des tonnes de bouffe non plus. Hein. Mais tu peux me lâcher. C'est quoi ça? Ah oui, c'est le coffre, je suis con. Donc ça, c'est tout ce qu'on a récupéré. Ça, c'est acheté. Ça, c'est à jeter. On va faire comme ça ira plus vite. Hein. Pour l'instant, on a que X coffre, donc... tout ce qui est minerai, ici. Enfin, tout ce qui est minerai... ouais. Ce qui est bouffe, on va les garder sur nous pour l'instant parce que voilà, on a quelques bouquins, ça, c'est de la bouffe, ça, c'est des minerais. Et il est tout le temps dans mes pattes lui, hein. il me gonfle, hein. bloc, ça c'est acheté, j'ai dit, ça c'est Emerald, ça va là. Name tag, ça va dans les divers. Bah, tout le reste, ça va dans les divers, quoi. Tac, tac. Ah, ça va. Ici, et puis ça, ça sera à désenchanter plus tard. Tiens, d'ailleurs, faut faire le mode qui permet de désenchanter les... Désenchanteur. Ah, c'est ce mode-là. C'est enchantement. Genre majuscule, mais... celui-là, il est sympa aussi. Il est pas compliqué à faire. Faudra le faire. Et celui-là. Évidemment, la table d'enchantement. Ah ouais, ça, c'est tout ce que je dois faire, au fait. Surtout la Ring of Repair. Ça, c'est la plus importante à faire. On va la faire ce soir. Oh, salut Naughty TV. Désolé, j'avais pas vu. Première fois sur le chat d'un spectateur. Non, je suis con, Naughty TV, c'est qui? Hey. Non, je confonds. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais ranger. Je voulais ranger tout mon bordel, disais-je. Et on va se faire la Ring of Repair. Pousse-toi, surtout dans mes pattes, c'est horrible. Là, c'est tout ce qui est gemme et machin. Et ben, il n'y en a pas. Là, c'est tout ce qui est bloc. Hop, la table de forgeron, on va la poser. Lui, on va le poser. Ok. Voilà. Comme ça, c'est rangé. On commence à s'organiser tout petit. Petit à petit. Non, j'en ai pas besoin. Ça, j'en ai pas besoin. Faut faire à bouffer. Faut ranger. Ça va faire cuire. Les carottes, on va les foutre là. Ça, je ne sais pas ce que c'est. On va le ranger. Ça se bouffe. Ça se range. Ça se range. Ça, c'est des minerais. Ça se range. Ça se range. ça se fait cuire. Ça va se ranger. Mais sans déconner. Vous m'avez pris pour qui? Je crois que je vais t'acheter une ou en pierre pour une émeraude, toi. Hop, on range le bateau. On range ça. Ça, c'est à faire cuire. Ça, vigueur, ça va extraire les gars. Faudra extraire le truc. Ça, c'est de la bouffe à faire cuire. Et donc, les enclumes, je vais les garder sur moi. Comme ça. Ça sera fait, le pain aussi. Ensuite, qu'est-ce qui reste là-dedans? Il reste encore des trucs à trier. J'ai des blocs. Non, pas ça.
Voilà, de la poudre, une tête, ça, c'est précieux, ça. Mais bon, on verra plus tard. Ça va là. Des sticks, machin. Des soupes, des perles, du papier. Ok. Eh ben. Voilà, on a réussi à ranger. Petit peu. Le reste, on va le foutre là-dedans. Parce que c'est de la bouffe. Eux, ils me saoulent, mais d'une force. Ça va avec. Je sais pas à quoi ça sert déjà. Ouais, ça permet d'appliquer Slowness, mais bon. De la bouffe, on va faire cuire. Non, je te donnerai pas les côtes de porc pour je sais pas quoi. Pour une émeraude, là. J'ai besoin de bouffer, moi, monsieur. Mais non, il est cuit. Ça, c'est cuit aussi, d'ailleurs. On va faire cuire tout le reste, hein. Du pachyderme aussi. Donc, je disais, tant qu'on est là, tant qu'on est là, tant qu'on est là, tant qu'on est là, pousse-toi. Il faut qu'on fasse ça. Facile. Pour une enclume, deux diamants. Ok. Il faut des diamants, il faut de l'or, je crois qu'il faut du fer, et puis une enclume qui est ici ou deux. Je sais pas si des ébréchés ça marche. J'en ai deux normales. Donc il me manque une émeraude. J'en ai huit. Hop, il m'en manque une. Donc normalement, ça c'est important. Intéressant à faire parce que cette ring, on la met dans l'inventaire et ça permet de réparer. Pousse. Ça permet de réparer automatiquement nos trucs. Notre stuff. Voilà, tout simplement. Ça se cuit pas ça? Ah, c'est déjà pré-cuit. Ça c'est cuit. Et ça? Voilà, comme ça on a un petit peu de bouffe. Ça c'est cuit. Tout ça, je sais pas. Je sais pas cuire ça. Ah, il en faut 4 pour faire ça. Un bloc de lard. Non, ça se cuit pas, ça doit se bouffer. Ça doit être terrible. Mais bon. Je sais pas si c'est une bonne idée de se foutre dans un village. Hein, parce qu'avec eux, ils sont saoulants. Y a plus de musique. Y a plus de musique. On met de la musique, on a plus. Il n'y en a plus, il y en a plus, il y en a encore. Voilà, j'ai fait cuire mes œufs. Puis quelle heure il est? 1h43 du matin. Est-ce que ça? Bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là, hein, bientôt. Que bon. Du coup, les Ring of Repair, bah, doucement, on va réparer mes items. Même mon stuff ici. Donc c'est un espèce de mendigue. Arrête de me pousser toi. C'est un espèce de mendigue sympa. Du coup la prochaine fois, je veux pas me foutre au centre du village déjà. La prochaine fois, je voulais me faire la passerelle de laine, mais pour ça il me faut de la prismarine, mais pour ça il me faut des éclats, et pour ça il faut trouver. Ouais, il faut trouver. Ah, les biomes requins peuvent en donner. Des requins. Ah, mais je vais pas aller tuer des requins. Je sais qu'il y en avait un tout à l'heure là. Des requins, ça? Donne de la prismarine, je prends, moi. Non, il me donne ça, mais il me donne pas vraiment pas donné. Il m'a donné des poissons tropicaux. Pas ce qu'il faut. Ah, mais c'est un. Un rare slow, oui, mon lamprey machin. On balèze les poissons. Mais ça donne de l'XP. Ah, ouais, ce que je vais faire aussi, tant que j'y suis, tant que j'y pense, tant que j'ai encore les idées un peu claires, c'est me faire le truc pour stocker mon XP. À dormir aussi. Donc, le truc pour stocker l'XP. De la poudre. On va le ranger, ça on va le ranger. Les poissons. Je sais pas cuire ça. Le truc pour stocker l'XP, il faut du fer. Ça s'appelle Global XP, je crois.
Ouais, c'est ce truc-là. Il faut lui faire une émeraude. Rien de plus simple. Il faut faire des grilles, je crois, comme ça. Tac, ça. On fait ça. Et on met ça et ça. Chose importante, il faut retirer son bouclier parce que sinon, ça marche pas. Et puis, au moins, hop, j'ai stocké mon XP. Mon XP est parti, mais je l'ai stocké. Je suis tranquille. Sachant que aussi, j'ai le mode quand on déménagera, j'ai des crates. J'avais des crates. J'en ai plus. Ah non, je l'ai plus. Je l'ai viré, ça marche plus. Non, c'est des crates. Si, j'ai des Crimson Crate. Voilà. Ça, c'est pratique. Ça permet de prendre les coffres en entier. D'ailleurs, il faudrait que j'améliore mes fours et tout ça, mais on n'en est pas là, quoi. Voilà, voilà. Bon, écoutez, on a plutôt bien avancé. Dommage qu'on n'ait pas trouvé de temple. Va falloir qu'on trouve des temples. Pour aller dans l'End, disais-je. Parce que... Ah, mais j'ai des enderperles aussi. On va continuer encore un petit peu. Ouais, je les ai foutus. 10 enderperles. Et j'ai pas autre chose à foutre que ça. Avec des enderperles. J'en garde 2. Magnetic Ring, j'avais pas besoin. J'avais pas besoin de celui-là. On va faire des elevators, on n'y est pas. Ça sert à rien. Du coup, lui, ça sert à rien. Parce que c'est le magnète qui le fait. Quoi qu'on pourrait s'en faire un. Les magnètes, j'en ai plein sur le modpack. Est-ce qu'on peut faire une magnète aussi sur le backpack ? Ce qui serait pas con. Ce qui serait pas con. Ring of Blink, téléporte le player en location. Ok, on s'en fout. Un Ring of Return. Un inventory, ouais, j'en ai besoin. Hein. Ça, c'est les 4 épées qu'on doit faire aussi. Enfin, qu'on doit trouver d'ailleurs. Pour faire la Sword of the God, elle fait 24. Mais la Saiyan Sword, elle est plus facile à faire. La Saiyan Sword. Celle-là, là. Faut trouver, enfin, faut faire des mixed. C'est pour ça qu'il faut garder les essences de Science Warrior. Mais ça se trouve relativement facilement. Donc j'en étais là, moi, là-dessus, moi. Là, ça refile de la bouffe. Under Eating Got. Ah, et on peut faire un chunk loader. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Ça, c'est pour se téléporter. Allo player, tout téléporte, tout save, location en right click. On va voir. On a une query. Ça, c'est la pierre de téléportation. C'est vrai que ce serait bien de l'utiliser. D'en faire une. C'est pour rentrer. Il faut de la teinture violette. Il faut du rouge et du bleu. Bon, du bleu, on sait. Et du rouge, on sait aussi. C'est avec les rosiers, c'est pour ça que j'ai pris les rosiers. Faut de la bonne mille. On va planter un rosier. Et faut de la bonne mille dessus. Comme ça. On va se faire ça également. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. J'étais plus. Putain, casse-toi, toi. Il me faut du lapis. Ok, du coup, ça plus ça, ça donne ça. Et je voulais faire... Oh, mais quand c'est vous. Début. Je voulais me faire, oui, c'est avec Waystone, d'ailleurs. Je voulais me faire ça. Il faut une émeraude et 4 underperles. Une émeraude encore. Et
4 Under Pearl. C'est où? C'est là. Voilà, l'avantage de ce truc là, c'est quand on clique dessus. Ça permet de retourner à la home temporaire, je crois. Ou alors il faut. Si c'est la pierre de téléportation. Elle, quand on clique dessus, elle nous permet de rentrer chez nous. Je suis pas obligé de faire une waystone. Là, c'est pour faire un truc fixe. Cannot be téléport, c'est tout. Okay. Cherche ton téléport ou un autre collant. Ouais, mais c'est pour faire. Je pense qu'on peut l'utiliser en cliquant dessus. Hein. Ok, on va la garder. Faudra qu'on essaye là, on est tout prêt. Je pense que c'est bon. Voilà, et qu'est-ce que je voulais faire de mes underperles, moi, de la Netherite. Par contre, il ne me reste plus que 6. Je sais pas. C'est pour ça que je voulais aller dans l'end. Faut que j'en garde un peu. Je vais dans l'end pour me faire ça, mais pour aller dans l'end, j'ai pas envie de les utiliser. Faut de la prismarine. Que je vois pas. Ouais, faut aller dans l'end et pour faire, il faut trouver de la prismarine. Et comme ça, dans l'end, on a plein d'underpearls après. On est tranquille. Après, on est netherite. Parce qu'avec la netherite, on va y arriver. Hein. Avec la netherite, le lingot, on peut se faire des trucs cheatés. Surtout, voilà. Non. C'est avec le. Tiens, voilà. Ah non, c'est avec ça. Avec quoi? Avec du prismarine qu'on fait de l'up. Parce que je pense qu'on peut mélanger, voilà, avec de l'or, voilà. On peut faire de la golderite. De l'or, j'en ai plein. Ah mais j'ai pas d'étoile lunaire, moi. Attends, j'ai vu des trucs en netherite. Voilà, les armures là. Ça se récipe avec quoi? Ah mais ça se récipe pas. Du netherite diamant ou avec du diamant on a de la netherite ingot. Ah non, arrivé magnétite, ok, ça je m'en fous. Comment on fait ces putains d'armures là? Sinon on fait des armures en, oui, en netherite, d'accord. Ah oui, c'est avec le truc de forgeron, mais tu t'es pas obligé de mettre ça, tu peux mettre justement un netherite gold, tu lui fous un netherite emerald, t'as ça, et c'est encore plus puissant. Jusqu'au netherite diamant, voilà. Ça pacifie les Endermen, ça pacifie les piglins, etc. Ok. Pour avoir le set d'armure complet. Mais t'as du compresset de netherite qui protège, là par exemple, le plastron à 16, quoi. Parce que au niveau de chestplate, les meilleurs. Voilà, lui il protège à 3,8, lui il protège à 9, lui il protège à 9, à 7, 8, 8, 8, 8, 8, 1. En obsidienne il protège à 10 et il y en a 50% de chance en plus, je crois que c'est de la chance, je sais pas ce que c'est en plus. Lui il immunise contre la lévitation quand on va dans l'end justement. Le tungstène, c'est pour ça que c'est intéressant, il y a un mode qui permet de gérer ça. Qui permet de gérer le tungstène. À 12. Undead chestplate de Zombie Army. 12. Ok. 12 d'armure. 16 celui-là. Compressène netherite. Ah ouais, ça coûte la peau du cul, faut aller chercher des netherites. Donc en fait, ce serait entre celui-là et celui-là. Il y a celui-là, le 10 aussi. D'avis celui-là il fait 16 et j'en ai vu un autre, celui-là il fait 12, l'Undead. Et l'Undead faut le faire avec ça, il faut ça. Ah mais il faut trouver l'Undead King qui peut spawner n'importe où.
Il y a les larmes de London Kid. Ok. On n'avait pas encore vu. La compressée, on sait. L'obsidienne, c'est avec ça. Et ça, c'est un obsidienne, donne ça. Ouais, c'est vrai que celui-là, il donne une armure plutôt sympa. Avec ce matériel-là, de Tool of Obsidienne, je vais y arriver à le dire. Bon, bah, je trouve qu'on a plutôt pas mal avancé. Les enderperles, voilà. Bah, écoutez, on va ranger ça ici. Tout ça, on regarde. Ça se fait cuire, on va le faire cuire. Tout ce qui se fait cuire, on fait cuire. Hein. Ça, c'est cuit. Hop. Ça, on a de la bouffe. Un œuf au plat. On se promène avec un œuf au plat. On va dormir. Puis on va se coucher. On va aller se coucher quand même. Je vais récupérer deux os. Oh, je les ai eus. J'aimerais que ça finisse de cuire. Comme ça, on est peinard. Et il faudrait peut-être que j'ai beaucoup de diamants. Ouais, j'ai beaucoup de diamants. Je vais les upgrade. Je vais upgrade mes sacs à dos. C'est important. Celui-là et on va upgrade celui-là aussi. Ça coûte cher, mais c'est important. Hop. Ou plus de place. On va faire les upgrades hein, que j'ai mis ici pour mon backpack. Pour celui-là aussi. J'ai deux backpacks. Au minimum. Voilà. On commence à être bien. On commence à être bien. Trois fragments de netherite. Encore deux, trois bricoles à faire à bouffer. Et puis on va s'arrêter là. Du coup, ça fera pile poil. Je sais pas quelle heure. 11h, minuit, 1h, 2h. Ah oui, 3h encore. Ah oui. Ça se fait que cuire du calamar, ouais. Ah, j'ai une squid head. J'avais une tête de mouton là aussi. Va les mettre là les têtes. J'ai une tête de quoi? Une tête de cochon? Une tête de saumon? Y avait quoi d'autre comme tête? Rien d'autre. Autant j'ai du blaze. Hop. Merde, pas ça que je veux faire. Mes trophées. Ça fait du bruit, hein, comme ces machins ici. Hop, on range ça et ça. Du coup, on est pas mal. On est pas mal. Soit ça va se réparer avec ça. Hop, on va se préparer ça. On va se mettre comme ça. Là, hop, on est bon. Et on est bon. Bon, eh ben, une fois n'est pas coutume, on va se quitter là pour l'épisode. D'ailleurs, on va faire un screenshot. C'est quoi déjà F2? Voilà. On va se quitter là pour l'épisode 2, en fait, hein, pour ceux qui sont sur YouTube. Et on va se quitter là pour ce deuxième live, pour ceux qui sont sur Twitch. Voilà, c'était Donjon Craft. J'espère que ça vous a plu, hein. Pour ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un partage, un like, si ça vous dit. Voilà, et puis bah, ceux qui sont sur Twitch, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, ciao. On va faire comme ça, on va faire pro. On va passer par là. Comment ça marche? Comme ça. Oui. Allez, ciao.